Alors pour une tarte aux pommes, et ben, il faut poser ce côté-là pour pas avoir de problème et pas ce côté-là parce que si on pose comme ça, ce sera pas bon. Il faudra toujours poser comme ça. Et voilà. Bien poser l'arrondi de la pomme dans le creux de la tarte en fait. C'est ça, ouais. Comme ça, c'est vrai que ça fait un joli truc. Et toutes les petites chutes que tu as de pommes, on va Au les mettre centre. toutes au milieu, au centre. Comme ça va garnir un peu la pomme. Là, il y aura combien de pommes en tout là dans la tarte? Là, j'ai pris 3 pommes et j'ai coupé, ouais, c'est ça. 3 pommes coupées en deux. Ouais, et des lamelles coupées dans chaque. Et ça peut varier selon la taille des pommes. Ouais, c'est ça. Si tu fais une grande tarte aux pommes, bah, tu prends plusieurs pommes. Comme tu peux voir, je peux pas mettre la pomme, je vais prendre un couteau de scie et je vais soulever, ouais. Et je vais en mettre une ou deux, et là tu vois, je peux mettre même une deuxième carrément. Voilà, ok. Voilà, et après je prends un cercle, je regarde la dimension que je veux, et je vais prendre un. Voilà. Je prends cette taille-là et à l'intérieur, je vais disposer les pommes pareil que comme j'ai fait. Comme sur le premier tour. Je mets juste pour du cercle pour avoir une tenue. Ouais, une tenue. Ouais, une belle forme. Et c'est pareil. On met toujours ce côté-là. Pareil. Comme si c'était ta tarte. Là, je vais faire deux et je vais reprendre une autre. La troisième.
une petite troisième que je vais faire. Et là, ça c'est la même technique. Je relève les pommes et je vais les coincer en dessous. Et je vais en mettre plusieurs. Et voilà, comme ça.